Yo les survivants, c'est Candy Goldo, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, voilà, on est toujours sur Fallout 4, en pleine apocalypse zombie, avec un soleil mourant et des tempêtes ultra-violentes. Donc je me suis rendu compte que c'était vraiment l'apocalypse zombie. J'ai fait le tour de mes colonies et tout, comme ça, tranquille. Je me suis rendu compte que, bah, clairement, ils n'arrivaient pas à se défendre contre de pauvres zombies, mes chers enfants. Et regardez-moi ce décor, quoi. C'est magnifique. Regardez-moi ça avec le prix d'Ouenne. L'ombre aussi de Prime, on la voit. Et les éclairs de tous les côtés, c'est somptueux. Voilà ce que la communauté peut nous offrir sous Fallout 4, c'est un bel exemple. Ça change, hein. Oh là là, je reconnais tellement plus le jeu. Je commence à installer tellement de mods que c'est la merde. D'ailleurs, vous pouvez... j'ai mis toute la liste et vous pouvez checker tout ça dans les commentaires, bien sûr. Tous les mods que j'utilise. Donc là, j'ai toujours mes armes contemporaines. J'adore utiliser les armes... contemporaine. En fait, là, j'ai vraiment l'impression d'être dans une espèce de Metro Last Light, mais contemporain, quoi. Oui, il y avait un zombie là-bas. Et ça me donne vraiment l'impression de jouer carrément un autre jeu, quoi. C'est juste génial. Et je suis en train de regarder un petit peu 2-3 choses. D'ailleurs, proposez-moi tout dans les commentaires. Je lis tout, évidemment. Rejoignez le Discord. Il y en a beaucoup qui m'ont proposé des mods. J'en ai téléchargé certains. Ça va venir en vidéo. Donc, rejoignez le Discord. Toi, je te vois bien, par contre. Voilà. Et l'avantage d'avoir un jetpack, voilà. Ça c'est vraiment beaucoup plus flippant. Le jeu est beaucoup plus flippant que tous les autres. Je sais même pas quoi. Je commence des phrases, je sais même pas pourquoi. Allez, on les défonce. Toujours avec ma petite X0 de Tesla, bien sûr. En réalité, s'il se rapproche de moi, je débute. Allez, venez. Je ne fais rien. Mourrez. Pliez-vous devant le Tout-Puissant. Voilà, ils prennent tellement cher grâce à mes bobines. Voilà. Une petite horde. Toujours et encore. Bon, on va aller du côté de l'aéroport. Normalement, c'est de ce côté-là. Non. Ben voilà, c'est carrément... Putain, merde. Écoutez-moi ces sons, c'est horrible. Celui-là, si on le touche, par contre, c'est beau. C'est beau. Il s'est rapproché de moi, il est mort. On monte, on monte. Aïe, 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 il y en a partout. Dès qu'ils viennent sur moi, ils meurent. Pourquoi dépenser des balles dans ce cas-là? Allez! Putain, crevé. On l'a eu. Je visais le bras. Il a plus de bras. Ok, c'est bon. C'est vraiment un truc de fou. Ils sont tellement nombreux et on les voit tellement pas que on a vraiment l'impression de jouer un film beaucoup plus typé horreur. C'est vraiment comment rendre votre jeu horrifique. Limite. C'est vraiment ça. Ils sont morts. Ils sont même pas rentrés en contact avec moi. Ils se vautrent la gueule par terre. Tellement les bobines, elles sont puissantes et infligent des dégâts, quoi. Allez, hop. Curie ! Les ennemis s'éloignent. Je fais juste le tour comme ça, c'est bon. On y est. On est chez nous. Enfin, je me ramène quand même avec une X02, qui est paradoxalement une armure de l'enclave. Mais bon, bref. Le petit Liberty Prime est là, c'est énorme. Et alors, évidemment, nos gars sont dans T60, la base. On va une fois aller voir les soldats. Oh, je me souviens de tout. C'est tellement légendaire, cet emplacement. Les voilà. Donc, regardez leur tenue. Donc, clairement, ici, on a un chevalier. Il y a une espèce d'armure de Rocco. Légère, avec les insignes de la confrérie et tout. Il est hyper classe. Et alors, ici, tenue d'ingénieur. Novice classique. Okay. Regardez-moi les machins qui tirent. Enfin voilà, il y a vraiment moyen de faire ce Fallout, un jeu. Et donc là, je vous présente encore des trucs que je vous ai déjà montré avant, mais je m'en suis pas rendu compte tant que je n'avais pas joué. Vraiment sans filmer un peu après, je me suis rendu compte qu'en fait, on a fait ce Fallout avec quelques mods, un véritable jeu d'horreur. Sans déconner, c'était vraiment le ressenti que j'ai eu. Et voilà, avec les cris horribles et tout qui se balancent, et c'est horrible.
Vraiment, c'est un truc dégueulasse. Bon, lui, je peux pas l'atteindre. Un canon. Bon, on va le buter, lui. Merci, bonsoir. Hello. Ah, il y en a encore d'autres, évidemment. Ça commence. Je détecte reprise des activités. Et le jeu reste magnifique, quoi. C'est ça qui est fantastique. Il y a 25 000 luminescents. Putain. Veuillez cesser les hostilités. Bon, ça va encore être la merde, je le sens. Comme dans la neige la fois passée, c'était impossible à Diamond City. D'ailleurs, c'est bien ce que j'ai dit. Et je le confirme. Diamond City est tombé aux mains des zombies. C'est incroyable. Tous les gardiens sont morts. Il n'y a aucun survivant. Donc c'est, sincèrement, c'est dommage que les zombies peuvent pas rentrer et vraiment provoquer quelque chose. C'est le terme correct, je pense. Ça serait fou. Mais bon, on n'en est pas encore là. Hop, non, moins encore. Et voilà, tout se nettoyer. J'adore. On snipe à volonté. On se fait full zombie. Full infecté. Et on fait tout péter, on en a rien à carrer. Par contre, j'ai entendu des tirs, j'ai une colonie pas loin ici. Donc vraiment, les colonies, c'est un truc de fou avec cette apocalypse zombie. Et là, on a le jetpack qui est bien utile. Dans cette apocalypse zombie, vraiment, c'est un truc de dingue. Quand on tombe sur une colonie, d'office, elle est en train de se faire attaquer. Et j'ai envie de dire qu'il y a une vraie chute démographique. Au château, j'avais 12 habitants, j'en ai plus que 6. Ils sont tous contents, évidemment. Mais bon, ils sont contents que leur pote soit mort, ça se trouve. Mais vraiment, oui, il y a une chute démographique de dingue à cause de tous ces zombies. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oh, j'ai cru que c'était un behemoth. Mais vraiment, behemoth bizarre. Et voilà, on est dans une de mes petites colonies. Toute mignonne, celle-ci. Je savais même pas qu'elle existait. J'ai jamais foutu les pieds ici, d'ailleurs. On est où? County Crossing. Oh putain, oui. Oh là là. Effectivement. On a un docteur et un garde. Ouais, le garde, c'est le caravane. Ah oui, on a vraiment... ouais, il y a plein de colonies que j'ai pas encore fait non plus. Enfin, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Attention, n'attaquez pas ma colonie. Oh putain, je savais même pas qu'il y avait une voiture. Vous avez entendu quelque chose ? L'ennemi a été repéré. Oh fuck. On va se replier. Y'a rien, c'est bon. On va essayer de pas perdre des deux pauvres colons qu'on a ici. Enfin bref, voilà, donc c'est tout pour ce gameplay. On se retrouve très vite, donc il y a plein de modes qui pourraient être potentiellement intéressants. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous avez été nombreux à me proposer des modes, je les ai téléchargés, vous en présenterai certains, puisque c'est vrai qu'il y en a des gros, vraiment des machins, mais énormes, sur lesquels ont passé certaines personnes des centaines d'heures, qui valent le détour, donc ça arrivera dans les prochaines vidéos sur Fallout 4. Je vous promets pas une vidéo pour demain, c'est pas certain. C'est une blague, non? Qu'est-ce qu'il parle? Tu dragues ma meuf? Ouais, ouais, mais ça me semblait. Donc dans les prochaines vidéos, voilà, je promets pas une vidéo pour demain puisque là je suis un petit peu en mode relax. Je viens de recevoir mes résultats, je passe en dernière année pour ceux qui veulent savoir. C'est fantastique, c'est merveilleux, vivement le diplôme. Mais donc voilà, c'est un petit peu pour profiter ces temps-ci, c'est les vacances pour tout le monde. Et évidemment, après on retournera sur du bon vieux Battle Royale sur Fallout 76. Et il y a aussi 2-3 choses avec la confrérie de la série que je dois encore faire hein, d'ailleurs sur Fallout 76. Donc on continuera les quêtes principales à ce niveau-là aussi. Et alors d'autres modes, donc proposez-moi tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez évidemment du coup de faire de ce Fallout un jeu un petit peu type horreur? Moi perso, je trouve que ça donne super bien, c'est juste magnifique. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et donc n'hésite pas à rejoindre des survivants, mon ami. Si c'est pas déjà le cas, abonne-toi, laisse un pouce bleu évidemment, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très vite. Ciao.